Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 37 de Mass Effect 3. Il est 23h18. Ouais, je sais, je fais une petite pause. Moi, je joue à Payday 2. Ouais, une petite pause. Hein. Et puis j'ai mangé quand même. Et donc, on est toujours le même jour. Donc, la dernière fois, on s'occupait des caries, donc c'est-à-dire de notre ami Tali. Mais on va pas faire ça. Parce que je suis ce que les conseils qu'on m'a donné. On va partir là. Donc en fait, il fallait faire cette mission-là, donc la mission de la citadelle, à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dû recommencer. En plus, j'avais perdu les données, c'était une misère. Donc allons à la citadelle. Et on va faire ce que moi j'ai déjà fait dans d'autres épisodes. On va aller sur le quai. On va aller à l'avenue Stellargent. Donc ça, je l'ai évidemment déjà fait, donc je sais ce qui va se passer. Mais vu que j'ai fait les trucs en plus, je vais avoir les trucs en plus parce qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là. Notre objectif est d'aller faire les courses. Mais on va pas faire ça. On va déjà prendre une voiture et on va aller à la zone de présidentielle. Donc j'ai deux choses au moins à faire là-bas et puis après je sais plus ce qu'il faut que j'aille et où. Enfin, je sais à peu près où il faut que j'aille, hein, mais voilà. Je sais ce que j'ai à faire dans les grands. Dans les grandes lignes, vas-y, c'est pas grave, c'est cassé. Alors, faut que j'aille par là. Alors, cet épisode-là, je l'avais déjà retourné en plus, l'épisode 37. Hein, mais j'ai eu un coup de téléphone donc au début. Donc, je me suis dit, bon, allez, on arrête les frais. C'est parti. Commandant Shepard, vous êtes le général Uraka. Réintégré. On dit que vous traquez les soleils bleus. Je dois venir en aide à la citadelle. Les soleils bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, général. Oui. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la citadelle. Mais il refuse de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les soleils bleus. Laissez tomber. J'obtiendrai les armes pour vous. Ouais, arrête les soleils bleus, j'ai pas envie de. Le soleil bleu, tu les arrêtes, c'est pas mal. Je prendrai les armes pour toi. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Ouais. Votre aide est la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. Ouais. Parce que je suis contre le fait que les soleils bleus prennent le pouvoir. Alors, je sais où aller, effectivement. Là, faut que j'aille au fond, faut que j'aille à gauche, j'ai deux choses à faire à gauche. Voilà. Lire. Vous êtes sûr de ne rien vouloir faire de plus excitant? J'adore cette partie du Présidium. Ça me rappelle mon enfance. Vous avez grandi où? À Armali, sur Tessia. Ma mère et moi vivions à côté d'un parc. J'y ai passé des heures. Qu'est-ce que vous faisiez? Lire, explorer, creuser dans l'herbe pour trouver des ruines. Vous êtes sérieuse? J'étais très jeune. C'est mignon. En tout cas, c'est plutôt amusant. Personne n'avait trouvé ça drôle. Oh, ma mère m'avait remise à ma place. Le lendemain, elle m'avait acheté mon premier livre d'histoire. Elle me manque, Shepard. Parle-moi d'elle. Elle était comment? Confiante et gentille. Elle aimait porter du jaune. Je pensais que c'était la plus belle femme du monde. Ah, c'est ta mère. Tout ira bien, Lyra. Peut-être bien. Merci, Shepard. Je me sens mieux. Bah écoute, c'était un plaisir. J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Entre amis. Oui, plus que des amis. Nous serions bien ensemble, Lyra. Je voudrais... Shepard, je ne pensais... Ce n'est pas... Enfin, c'est vrai... Désolé. Râteau ou pas râteau, là? Non, non. Je peux vous répondre maintenant. Je vous aime beaucoup, Shepard. Oh, râteau. Et je... Yeah. J'aimerais ça. Ah. Moi aussi. Pas râteau! Oh la vache! C'est la première fois qu'on se prend pas un râteau dans cette série, j'ai l'impression.
Est-ce que j'avais pas fait le même truc la dernière fois? Kaneki. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennuis. J'ai le droit de vendre des armes. Et elles sont toutes en règle, ok? Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire? Merde, vous bossez aussi pour le SCC? J'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. C'est même pas une requête. On a besoin de ces armes pour gagner. Si vous la jouez perso, je ferai de votre vie un putain d'enfer. Oh, j'aime ça. Je vous crois. Mais même si vous me brutalisez ou me tuez, mes associés ne vous livreront pas les armes. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SSC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Ça ne me plaît pas du tout, mais vraiment pas. Bienvenue à l'armurerie Zébridine. Alors, j'ai pas masse de thunes. Les bénéfices de toutes les ventes participent à l'effort de guerre sur Palavène. Vas-y, je vais tout acheter, tu sais quoi, j'ai plein de thunes, j'achète jamais rien. Je sais pas si ça servira un jour, mais au moins je les achète, vas-y. On se fait grave plaise. C'est pas lire. On verra plus tard. Ok. J'ai pas fait confiance, mais allez, vas-y, on achète ce pareil. On est blindé. Ouais, j'achète jamais rien. Hein. Bonjour, j'achète des trucs qui ne me servent à rien. Donc je ferai en inter-épisode, j'essaierai de boire. Alors, si j'y pense déjà. Donc je pense que je le ferai jamais. Mais au moins je les ai. Donc voilà, ça je l'avais déjà fait en fait. Mis à part Lyra où il s'était pas passé la même chose. Assistant du FFC, du SSC. Connexion établie avec la cellule de Jonas Ederis. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci, laissez-nous seuls. Bien sûr. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libéré. Tu seras pas libéré par contre. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Non mais je veux pas te faire sortir. Vous avez tué beaucoup des miens. Je n'ai pas oublié. Pas de menaces, Biatch. Un conseil, Cédéris, évitez les menaces. Je les enterre dans le cercueil de mes victimes. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'affronter. J'ai le pouvoir. Ouais. C'est vrai, ça. Oui, Sein, mon second est un flatteur sans volonté. S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir. Mais il n'osera pas me défier. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey de me libérer. Non. Bailey, j'ai vu Cédéris. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. Je trouverai une autre solution, bah grave. C'est une menace. Laissez-moi tenter de régler le problème. Ben. Ça me va. J'attends de vos nouvelles. Ok. Donc, moi, j'ai pas envie de la libérer, hein, clairement. Il doit bien y avoir un moyen d'obtenir des médicaments. J'ai déjà dit, nous n'avons aucune réserve. Nous vous les paierons. Ce n'est pas la question. Entre la guerre sur Palavène et le coup de force ici, les stocks sont quasiment vides. Ah. Les miens ont besoin de plus d'antibiotiques et de médigel. Sinon, il y aura des milliers de morts. Ce n'était peut-être pas le moment de déclarer la guerre aux guettes. Il doit bien y avoir un moyen d'obtenir des médicaments. Je vous l'ai déjà dit, nous n'avons aucune Alors, réserve. Alors, on va faire un nous truc. C'est soit je gère avec la diplomatie. Entre la guerre sur Palavène. Voilà. Soit je gère avec une membre de mon équipe qui est là depuis le début et qui m'a toujours soutenu. Je pense que le choix est vite fait. Tali, clairement Tali. Tali a sauvé la citadelle il y a 2 ans. Voilà. Surveillez votre langue. Et ferme ta gueule. Vous avez raison. Tout le monde est à cran, mais nous n'avons déjà pas assez de médigel. Nous ne pouvons pas aider votre peuple pour l'instant. Je suis désolé. Bon sang. Merci d'avoir essayé. Ouais, je t'en prie. Je ne comprends pas pourquoi ça vous pose un problème maintenant. Bon.
je réponds à un message en même temps. Et vous avez dit aux réfugiés du camp. Alors, on va aller où ? Putain, mais tu pourrais avancer plus vite quand même. Elles sont où les voitures ? Ah là, putain, je les ai loupées. Alors, avenue Stella Argent ou sur le Normandie, non ? Si on va sur le Normandie. Bah ouais, bah non, 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 on va aller sur l'avenue Stella Argent. Donc, je sais où il faut aller, je l'ai déjà fait. Enfin, je sais où il faut aller. Je sais à certains passages. Je dois aller au Blackout, je crois. Alors oui, quand je dis je sais, hein, c'est par rapport à mes souvenirs. Et je n'ai toujours pas de mémoire. Et alors, si je dis pas de bêtises, il faut que j'aille vers là. Voilà, c'est ça, Trainor. Yeah! Et la mémoire de ouf! Du gambit belucien. C'est quoi ? Des échecs spatiaux ? Kepesh Yakshi, la lame des vents nocturnes. Les Asari y jouent depuis... On avait rendez-vous pour déjeuner ? Mm-hmm. Oh, je suis navrée. J'ai intégré le tournoi juste pour rire. Je pensais me faire éliminer dans les premières manches. Pas de souci. Vous pourrez rejoindre votre ami dans une vingtaine de coups. À la biatch. Souza. Souza. Trainor, vous voulez bien me donner vos frégates maintenant ? Je finis toujours par les avoir, de toute façon. Paul Garat Souza. Elle m'a éliminé de 4 tournois. Battez-la ! Spécialiste. Commandant ? Faites-lui mal. C'est bon. Bah, je participe quand même. Merde, aïe! Voilà pour votre frégate. Chaque moral. Ça décourage le sacrifice inconsidéré de pièces. Défonce-la. Non, encore quelques siècles, et vous seriez un adversaire à la hauteur. Vous devez manquer de temps pour jouer depuis que vous êtes sur ce vaisseau. Mon peuple a le plus grand respect pour les grands penseurs. Je vis confortablement en enseignant les stratégies de ce jeu à des demoiselles Asari. T'es nulle. Ah ouais, vous n'êtes pas si forte. Ouais, Pragma. J'avais imaginé que les grands penseurs aideraient à l'effort de guerre Asari. J'espère que vos demoiselles ne sont pas sur Ilium. Aux dernières nouvelles, les moissonneurs avaient rasé la planète. Pardonnez-moi, j'essaie de jouer. Arrêtez les conneries, encore une stratégie qui ne fonctionne pas contre les moissonneurs. Ni sur les Rakhni ou les Krogan d'ailleurs. Les Asari ont-elles déjà gagné une guerre ? Les Asari exploraient déjà la galaxie quand vos ancêtres taillaient des silex. Je crois qu'on doit appuyer sur ce bouton quand on a terminé son tour. Désolé, Tsuza. Ça va... picoter un peu. Allez, sa misère. Ah, désolé pour les bruits si c'est les bruits de... Oh non, mais quand tu tombes vraiment au jeu là. Merci, commandant. Et pardon pour avoir oublié notre déjeuner. Bah, rattrape-toi. C'était pour la bonne cause, Trainor. Continuez.
Trainor. Trainor. Elle est partie. Putain, mais elle est où? Elle est partie. Allez, vas-y, on se fait une partie. Ok, vas-y, on peut péter. De toute façon, on est blindés dessus. Ah, d'accord. Félicitations, vous avez gagné. T'es sérieux? Combien vous allez gagner, vous? La merde. Putain, je paye 500 pour... Vous avez gagné. La musique pour l'appartement. Combien vous allez gagner, vous? À vous le gros lot. Tout le monde gagne. Putain, j'essaie de gérer un peu le... D'accord, mais pas du tout. Je voulais le orange, en fait. Voilà, je me suis dit, allez, vas-y, fais le fifou, mange des poneys. Musique pour l'appartement, d'accord. Vert. Merde, c'est quoi vert? C'est pourri aussi. Bon, je le refais encore une fois derrière. Hein. On l'avance. Vous avez gagné. Combien vous allez gagner, vous? Raflez la mise. Je suis concentré à fou. D'accord, il vient jamais en fait. Ok. Bon, il y a un temps. Je mets Timmy là, j'espère. Ok, bon, bah, on a gagné de la musique pour l'appart, c'est déjà bien. On s'en carre les reins. J'ai perdu 3000 crédits. On s'en fout de la thune. Bienvenue au machin castle, je sais plus quoi là. Alors, on a. Autre chose à faire, si je dis pas de bêtises, il faut que je retourne en Normandie. Ou à l'appartement. Je vais retourner à l'appartement. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire à l'appart. On est blindé ou pas? Allez, on est blindé. Vas-y, on a plein de thunes. On achète l'appart. Vas-y. Alors là, on pourra le découvrir après. Hein. Là, c'est un épisode de plus ou moins détente, hein, ici. C'est cool. Merci. Nous sommes là pour combler vos besoins domestiques. Putain, la musique, cette musique-là, c'est un truc de ouf. Donc, on peut réagencer notre maison, hein, évidemment. Enfin, notre appartement. L'appartement un poil luxueux. On va le faire vite zef, tiens d'ailleurs. Là, normalement, on devrait avoir tout le monde. Parce qu'on doit organiser une fête. Donc là, on a. Machin, là. Merde, comment s'appelle la sphère, là? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Ah, oh, ouais, c'est vrai, là, c'est le bain du bathroom. Modification d'armes de. Non, ça sent. Ah, j'ai eu l'espalière. Ah, tata. Épaule. On a les N7. Moins bien. Beaucoup moins bien. Non. Mais t'es sérieux? Bah écoute, ça sera les N7. Hein. Donc là, je gagne en pouvoir et je perds en bouclier. En bouclier, ouais, en bouclard et bouclier, c'est des bouclards. Bouclier. On s'en fout, du coup, j'ai eu de la merde. Oui, bah oui, forcément, j'ai jeté de la merde, ça, c'était évident. Vous vouliez en savoir plus sur non, le je n'en ai rien à carrer. Bon, alors, on va faire on va faire. Je voulais. C'était peut-être en bas du coup. Oui, c'est sûrement en bas d'ailleurs, ça va être là-bas. C'est là, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Catalogue, voilà. Salle de bain. On a. La standard, la raffinée ou la luxe. On va mettre.
La raffinée. Oh, attends, faut changer à chaque fois. La literie. Standard ou simple? Le standard. Ouais. Allez, on va faire péter le simple. La cuisine. Non. 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 Ah, c'est dégueulasse. Canapé, fauteuil. Confortable. Standard, confortable, ouais. Le chic, non. Ah, d'accord. On va faire péter le confortable. Hein. On va retaper dans le canapé, fauteuil. Non. Ah bah ouais, clairement. Clairement. Clairement, carrément. Ça fait clairement. Table. Standard ou clair. On va mettre la claire, elle est plus. Elle est plus. Hein. Décoration murale. On a le choix entre rien. Ah, oh, style et artistique. D'accord, on va mettre l'artistique. Et après, il nous reste plus que décoration murale. Ambré ou standard, on va faire péter l'ambré. Allez, fais-en péter l'ambré. Et on va sauvegarder du coup, parce qu'on est des fifous, on mange les chevaux à base de 4. Ça veut rien dire. mais je vais vous donner rendez-vous là, je sais pas quand, je crois. 1, 2, donc, je sais pas, pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde! Oups!